C'est une découverte assez étonnante. 8000 squelettes ont été découverts sur le chantier d'un parking souterrain à Villefranche-sur-Saône. Résultat, tout est à l'arrêt depuis le printemps dernier. Fleur de Bauer. À l'arrêt depuis le mois de mars, les travaux du parking souterrain prévu sur la place du Promenoir à Villefranche vont prendre un autre tournant. La découverte de plusieurs milliers de sépultures oblige la ville à revoir son projet. Si le parking reste à l'emplacement initialement prévu, quelques modifications devront avoir lieu afin de mettre en avant ce nouveau patrimoine. Cette découverte, c'est un peu le jackpot pour nous, parce que l'esprit du projet, c'était vraiment de renforcer l'attractivité du centre-ville. Et avec cette découverte archéologique qui est quand même majeure pour l'histoire et le patrimoine de Villefranche, on va pouvoir l'optimiser. Le projet du parking a comme objectif de renforcer l'attractivité du centre-ville et de favoriser son accès. La mairie est actuellement en attente des propositions du bureau d'études impliqué dans le projet de quelques 180 places de stationnement. La réponse est attendue courant mois d'octobre, date à laquelle la mairie espère relancer les travaux. Donc on va réduire ses dimensions en surface certainement. Et l'idée, c'est soit de le laisser sur deux niveaux, soit d'approfondir sur un troisième niveau, tout en gardant tous les travaux qui ont déjà été faits. Le parking, dont le projet a fait l'unanimité auprès des habitants et commerçants, est très attendu. On a hâte que ce parking puisse se terminer et qu'on puisse profiter de cette nouvelle place du Promenoir. Afin d'accompagner au mieux les commerçants, la ville étudie la possibilité de réinvestir une partie du chantier encore praticable et de créer ainsi des places de stationnement pour la période des fêtes de fin d'année.